encore 4 secondes. On va essayer de faire quelque chose. Ouais, c'est compliqué une nouvelle fois, ça rentre. Deux paniers extrêmement difficiles. Le duel des troncs d'arbres dans la raquette. Et Kelly, c'est bien joué. Superbe passe pour Jankovic. Et on voit qu'Arnaud Couture est là, auteur d'un fantastique match 1 également. Le MVP de cette rencontre avec Brian Collomb. Est-ce qu'il va repartir? Et il est reparti sur les mêmes bases. Créé pour son équipe et aussi savoir lâcher la balle quand on double sur lui. Et j'en doute pas qu'il est capable de le faire. Emilianic, en tout cas, lui non plus, il ne doute pas. On replace le jeu. On va jouer un double pick and roll avec Rajan Kelly. Oh, c'est bien joué. Magnifique. Et Collomb est à terre. Donc ça pour les Neuchâtelois qui perdent de 14 points. Une nouvelle prière envoyée par Fofana. Et là, c'est parfaitement joué cette contre-attaque. Et c'est dedans. Et c'est dedans juste avant le buzzer. 28-12. Après 10 minutes pour Fribourg Olympique. Non, je pense que c'est clair. Nous, on est pour les, que ce soit pour les téléspectateurs ou les amateurs de basket. Ah, bien joué. Très très bien joué du côté du Neuchâtel. On va attaquer ça. Mais en règle générale, on dit si on marque sur les deux premières actions de la zone. Comme là, un shoot ouvert de Miljanic. Oh là là! En général, on arrête vite la zone, donc on verra. Ouais, mais je doute qu'il commente aussi bien un match de basket. Merci, merci. On voit qu'ils ont, ils sont à oui la spéciale. On parlait de alley-oop. Ça repart vite de l'autre côté. Mbala. Très, très bien joué. Il n'y a pas eu le repli, ça doit particulièrement énerver. Reste une minute. Les oreilles vont siffler, je pense, dans le vestiaire. Que bon joueur, vraiment. Mitchell, Gravet. Bonne patience. Mais il y a tout qui rentre. Il y a tout qui rentre. Alors on va se concentrer là-dessus. Rebond de Fribourg. Avec Rajan Kelly. Ça va très vite. Allez, allez-oup. Et faute. Et faute. Oh là là. En nouveau, et déjà 4 secondes. Une petite magie de shooter. Ça ferait du bien. Allez, il ne touche rien. Heureusement, Martin était là. Bon rebond. Alors, c'est pas compris, il faut vite partir de l'autre côté. Voilà, c'est fait avec Robert Jean qui pénètre. Mais et non. Très facilement. Oh là 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 là. Magnifiquement bien joué. Très facilement terminé. 1 minute 20 à jouer dans ce match 2. À Couture pour Gravet. C'est bien joué. Couture. Il va nous en faire combien dans cette finale, Arnaud Couture? Ça passe le ballon. La Couture à l'intérieur pour Gravet. Emilianic à 3 secondes du buzzer. Oh. C'est dedans. Une shoot difficile en fin de possession. Et le jour d'un match 2 de finale du championnat suisse, ça fait mal. C'est clair que ça arrive vraiment pas au bon moment, mais après c'est aussi dans ces moments où on apprend. Oh là 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 là. Plus 47 pour Fribourg Olympique. Fofana, Martin. Ah là c'est bien, on trouve Grand Vorka tout seul. Et c'est dedans. Et très c'est bien dedans. Joué. C'est ce genre d'action que Neuchâtel a besoin. Et Macri s'est capable de voir ce ballon intercepté. Et il prend ce shoot. Et c'est dedans. Et tout le monde, Fribourg, je vois, ou presque se lève. Il va être pour Boris Mbala et on va s'arrêter là. Victoire, Jérémy de Fribourg Olympique, 93-46, 47 points d'avance. Une démonstration de la meilleure équipe du pays.